Dali Baradel, bonjour. Bonjour. Avec tant d'expérience dans le droit constitutionnel, vous capable de dire nous qui solution pour le problème de dictature, scandale politico-financier, copain, fraude et corruption, communalisme, népotisme, qui fait ça les peuples-là découragés, démotivés et mettre en détresse? Le pays va mal. Ça, c'est le constat de toute la population. Et c'est vrai. Mais qui solution? Quand une seule personne, en l'occurrence le Premier ministre, qui détenait tout pouvoir, et nous trouve scandale tous les semaines, et aussi fraude et corruption généralisée. Living the new normal, comme dit les syndicalistes. Les peuples bizarres réfléchissent et comprennent que le problème trouve dans le système de gouvernement. C'est le système qui fait créer ce problème-là. Et avec la complicité des bandes politiciens malhonnêtes. Pas croire qu'il y a un petit changement pour apporter une grande amélioration, qui pour résoudre les problèmes d'un seul coup. Non. Et non. Jamais un juriste, et surtout un qui spécialisé dans le droit constitutionnel, pour dire ou qui, avec un petit amendement dans nos constitutions ou législations, nous avons un problème pour résoudre. Non. Non. Jamais. Et il y a des petites choses qui ne sont pas bonnes et qui créent tous nos problèmes. Premièrement, le système de gouvernement ou bien de démocratie. Deuxièmement, nous avons un politicien malhonnête. Il fait fraude et corruption et enrichit l'olé de travailleurs. Qui fait communalisme pour gagner l'élection, qui divide and rule, abuser du système, de profiter, business change le système. D'accord, monsieur. Mais qui système pour adopter? Est-ce qu'il émène l'autre système? Oui. Dans la définition démocratie, dans le droit constitutionnel, il y a deux systèmes. Premièrement, système démocratie pour représentants, qui veut dire élection, comme on fait dans tout pays du monde d'ailleurs et à Maurice. Mais il y a aussi deuxième façon. Deuxième là, c'est démocratie directe. Capable de changer le système et adopter le système de démocratie directe. L'avantage de démocratie directe, ce système là, c'est que les peuples qui conservent ce pouvoir 24/7, comment nous dire, ils conservent ce pouvoir en permanence. Il pas donne ce pouvoir au candidat aux élections. Il est là, il est capable de passer par une procédure simple, une structure pour mettre un ministre ou le premier ministre déo. Ce système-là, il élimine toute fraude, corruption, communalisme, népotisme, gaspillage de l'argent public, l'incompétence et aussi trafic la drogue. Quand le pays pour administrer pour un administrateur public. Merci beaucoup, monsieur Vardin. Merci. Docteur Ambaran, bonjour. Bonjour. La pauvreté à Maurice n'est pas peut changer. Au contraire, elle peut empirer. Dis-nous un mot là. Alors, nous connaissons que dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il dit alors comme ça que tout homme est né égaux en droit et en dignité. C'est-à-dire tout le monde n'est pareil, même dignité, même droit. Mais qui nous trouvait autour de nous, l'homme est né libre, mais partout il y a ferraille, il est fermé, il est enchaîné. Est-ce qu'il y a des oiseaux, des animaux qui sont libres comme l'homme, est-ce qu'ils sont enchaînés? En dessous, non. C'est l'homme qui enchaîne les autres, c'est l'homme qui prend soin de se mettre dans la case. Mais en doute, non. C'est l'homme qui détruit à lui-même. Et l'homme, qui fait dans le système de représentants, un système qui arrange tout le poéticien, qui se fait, ce système-là, permet de mettre la loi, mettre une condition, un règlement, tout dans cette faveur. Comme si on a un gâteau d'anniversaire, ici on a un politicien, ici on a le peuple,
Man la prend sa gâteau là, je peux couper, je peux même faire la loi pour le gâteau là. Je coupe gâteau, je donne un petit tranche de 10%. Tout ça peuple là qui 99% de la population, je gagne 10%. Et ça 90% gâteau qui restait là, ça 1% pour une chien pourri là, je prends pour eux. Parce que je fais toute la loi, tout à fait dans sa même condition là, pour protéger eux-mêmes. Pourtant, je suis un employé of the government, of the people, je fais travail pour le peuple qui paye eux. Je fais même la paix comme tout le monde, qui fait eux la paix, surtout à Maurice, 500 000, 300 000, 200 000. Je fais même la paix comme tout le monde. Un diamant est venu, un degré est venu, admettons, il est bien qualifié, il gagne, c'est pas 60 000, 70 000, qui fait un dépôt de chez les visages en plus, et en plus, il est coquin. Mais il y a cela fait passer, les visages coquins, coquins, rempli même. Mais il y a ce poste bien à fond. Donc, la pauvreté, comme sa gâteau-laine mal divisée, pour comprendre bien, 10% gâteau à dans 99% du peuple, et bien, divise ça, c'est. Dans 99% là, et dans les communalistes et les politiciens divisent sa peuple là en différentes communautés, en différentes catégories selon éducation, pas éduquée, camarades, friends, etc. Finalement, il y a une catégorie d'à peu près 30% de la population à Maurice qui est dans la misère noire. Quand on dit misère noire, on veut dire quand le grand matin, pour mes affaires, c'est que pour gagner manger. Et sa peuple-là, il n'est pas gagné, il est dans pense politique, qui s'en a fait coquin lit, qui s'en a fait faire mal, comment vous changez, mais il n'est pas gagné, il est dans parce que ce tracas, c'est redivin pour mettre dans la bouche ses enfants. Et dans l'éducation à Maurice, faire exprès, qui n'est pas de l'éducation qui visait pour réveiller sa peuple-là. Les autres dans l'ignorance éducative. Qui fait l'ignorance éducative? Si de trop beaucoup d'éducation, de d'instruction, je pour réveiller, je vais révolter. Par exemple, tu fais quoi la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est promouvoir par l'ONU, tu visais enseigner ça depuis l'école primaire. Tu visais enseigner les enfants qui appellent le droit de l'homme, qui appellent un article, les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui se développaient jusqu'à ce droit. Mais bien, les autres dans l'ignorance, haine. Et bien sûr, tout le Mauricien qui n'a pas appris de haut, il a beaucoup de connaissances, de trouver qui pays là, dans un problème, de tresse de haut, qui s'en a qui resté, et bien reste un peuple qui certains finissent appelés un peuple admirable, c'est-à-dire un peuple ignorant, manipulable. Et donc, la misère là, il découle automatiquement, comme le gâteau est mal partagé, une catégorie reste dans la misère, il reste dans la misère, il peut empirer, parce que ça goûte gâteau 10% que je prends là. 90% pendant qu'ils se prennent, comme un coïncien prend là, il peut augmenter 90, 91, 92, là, on arrive au moins 95%, et le peuple, ça 99% là, il peut gagner 5% en ce moment. Et pourtant, tout ça, l'argent là, c'est l'argent du peuple, c'est la sueur du peuple. Mais avec la démocratie directe, ça n'est pas possible. Bon, pour cause de la démocratie directe, plus tard dans le milieu. Merci. Merci, Oumane.